Donc, deuxième année de la première ligue de futsal pour la conférence capitale nationale pour Québec. Nouveauté, on a plus d'équipes du côté des filles, donc on est allé à 8 équipes. On a réussi à avoir plus de plateaux au niveau de notre gymnase principal qui est l'Académie Saint-Louis, qui est un de nos partenaires dans le projet. Donc, 8 bonnes équipes. On est allé chercher vraiment toutes les équipes seniors 3, les joueuses collégiales, les joueuses universitaires. Donc, le calibre est encore vraiment supérieur à l'an passé. Chez les gars, 6 équipes encore, mais on est allé chercher vraiment plus de qualité au niveau des équipes. Donc, ça va être une année, ça va être le fun. Le calibre va être très fort au niveau de la conférence de Québec. Le format aussi des séries a un peu changé. Il n'y a pas de série comme telle pour chaque conférence. Donc le premier de Québec va affronter le premier de Montréal dans un match aller-retour qui va se faire à la mi-mars. Donc le champion de ce match-là, le gagnant de ce match aller-retour-là, c'est le champion de la province du Québec qui va avoir la possibilité d'aller représenter le Québec sur la scène nationale au championnat canadien. Donc on a eu la chance, il y a 2 semaines déjà, à Montréal, d'organiser la première édition des championnats canadiens. Présentement, il y a 2 provinces qui fédèrent le futsal, l'Ontario et le Québec. Donc le championnat canadien était à 2 équipes. Donc le champion de ce match-là aller-retour va représenter le Québec. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'an prochain, on a des pourparlers avec la CONCACAF pour que notre équipe championne des championnats canadiens puisse représenter le pays à la Champions League futsal CONCACAF. Donc on pourra avoir une équipe de Québec probablement l'année prochaine qui pourra se retrouver au Guatemala, jouer contre les meilleures équipes du Guatemala, Honduras, Costa Rica, États-Unis, les Antilles et compagnie. Donc super intéressant pour nos joueurs. On a encore aussi cette année la possibilité que nos joueurs qui jouent dans nos championnats avec la fédération de pouvoir accéder à nos sélections provinciales, autant chez les gars que chez les filles. Donc on recherche les 12 meilleurs athlètes, autant masculins que féminins, qui vont représenter la province. On a 4 camps déjà identifiés. Un camp qui va être pour les ligues régionales. Donc on veut quand même que nos ligues régionales puissent accéder aux équipes du Québec. On a 2 pôles provinciales aussi qui vont avoir 3 camps. Donc 2 camps avant les fêtes, 1 camp en janvier, 1 camp en février. On se fait appeler beaucoup par plusieurs fédérations qui nous contactent déjà pour faire des matchs amicaux ou participer à des tournois. Donc on a des surprises pour nos joueurs en fin d'année. On regarde aussi pour faire des matchs encore comme l'an dernier on a fait, aller jouer contre l'Ontario ou aller vers les États-Unis pour... chez les filles. Et ce qui est intéressant pour cette année, c'est qu'on est en une année de Coupe du Monde pour les gars. Donc en mai, le Canada part en qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui va avoir en Colombie en novembre prochain. Donc on espère placer le plus d'athlètes québécois possible sur l'équipe nationale. Donc en mai, l'équipe va se diriger vers le Guatemala pour les qualifications CONCACAF.